Là, c'est ultra beau. Lui ne va pas nous aider. Je suis vraiment dehors. Eh ouais. Hop. Par là-haut. Oh là ! Ah, j'ai même plus de ça. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée. Quel bordel. Merde. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Il fallait pas qu'il la scanne, elle. Je crois. Regarde. Ah oui, voilà. C'est ça. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner, alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours. Alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Allez, go! Mystère d'Eli qui démarre. Là, c'est tellement stylé avec la pluie. Ok, quand je te donne le signal, on court. Signal, on court. Pigé. Vas-y, cours. Go! Ça compte pas d'aligner. Ouais, je te suis, hein. C'est stressant là. Je les vois, je les vois. Ils ont dû réussir à passer. Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi. Je vois rien du tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là? Au bordre contraire, on poursuit les recherches. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Allez, Ellie. Suis Joël. Ah, c'est à moi d'y aller. Hein. Attention. Tu vois quelque chose? Pareil, c'est ça. Comment chez toi? Pour l'instant, c'est bon. Ok. Oh, je fais ultra gaffe. Je fais ultra gaffe. Hop. J'ai où là? Passer par là après. Ok. D'abord, il nous abandonne.
peux passer par là. Oh, c'était chaud là. Ouh, c'était chaud, désolé. Oh. J'avais trop peur de me faire voir avec les lumières. Voilà, nice. Toujours pas ça. Par où faut passer là? Par où? Je crois juste que je me suis trompé de zone. Ah oui, c'est ça, bien ce que je me disais. Ok. Vas-y. Merci Zawax pour le sub, merci beaucoup. Merci à toi, bienvenue. Premier mois en plus avec Prime, merci beaucoup. Merci du soutien, c'est gentil. Ils nous ont pas encore repéré. Faisons un tour. Ça donne quoi? Ils sont trop nombreux. Là j'ai fait de la merde. En gros vu que j'étais pas plaqué au mur comme les deux autres, on m'a vu. Bon c'est pas grave. Allez-y, je te couvre. Moi je vais me faire buter par une balle. Ouais j'aurais pas dû faire ça comme ça, c'est pas grave, j'aurais dû foutre. J'ai voulu économiser mes balles, c'est pas grave. Ok, bon bah du coup faut juste que j'évite de me faire repérer. Mais elle m'a niqué mon truc en fait. Attends, je reprends d'où? Ok, j'en prends là. J'étais pas plaqué à cause d'elle, du coup bah j'ai pas pu Je suis même pas obligé de me les faire là en vrai, il suffit juste que je traverse. Enfin je crois. Faut juste que j'aille à droite, on est d'accord. Mais... Oh merde, alors là c'est de ma faute. Merde frère. Ah tu saoules toi. Soigne-moi cette blessure. Bah je peux pas. Ah il vient de m'en donner. Ok. Nickel. Bah, allonge le bâtiment, ouais mais. J'ai lui là-haut en fait qui m'emmerde. Non, non, arrête.
Au revoir. Ça dégage. Bon, y'a pas des mules un peu là? Non? Dommage. Ouais, donc en fait j'étais obligé de me les faire, je pense. Pour avancer un minimum en tout cas. Hop là. Tu sais par où il faut aller. Oh ouais, pas de pitié, oh. Faut que j'aille où là? Faut que j'aille là. Ben, non, je pense que tuer celui juste à côté du bâtiment, ça aurait pas été possible parce qu'il y en avait, il y avait l'autre sur le toit dans tous les cas qui m'aurait vu. Je pense pas que c'était possible. Ouais, ça doit être... Ah, j'avais oublié ça. Ok. Ouais. Y a pas un peu des, de quoi se faire des mules ou quoi? Bah clairement filer du soin d'ailleurs. Ok là. Encore des soldats. Cible tout en fuite, Ted. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Bien sûr. Tout à vos véhicules. Restez dans l'ombre. Ok. C'est bon. Si tu restes dans un bâtiment, il te voit pas. Oui, mais à un moment donné, j'étais obligé de sortir. Donc au final, si, si, j'avais pas le choix. Mais c'est bon, on l'a bien géré au final. En haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer. Ok. Là, il va falloir passer dans l'eau, là, non? C'est ça? Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Bon, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici? Et si c'était vrai? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Et comment elle s'est fait mordre, elle, d'ailleurs? Vu qu'a priori, elle est jamais sortie depuis très longtemps. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. Parce que normalement, il n'y en a pas à l'intérieur. Ah oui, dans le DLC, ça me l'explique, c'est vrai, putain. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça me dit un truc. Sa meilleure pote elle meurt mais pas elle. Enfin, sa meilleure pote. Vache. Sa copine. Alors c'est à ça que ces immeubles ressemblent de près. Ils sont immenses. Bon, on l'a fait le DLC les gars, mais la plupart d'entre vous, vous aviez 4 ans quand je l'ai fait, donc je m'en rappelle plus hein. Ça fait 10 ans qu'on l'a fait le DLC, je me rappelle dans les grandes lignes, je me rappelle pas de tout. Test, t'entends ça? Ouais. Mais ça venait d'assez loin. Non mais oh. Calmez-vous, hein. Pour l'instant. Allez. Je vous rappellerai que vous m'avez tous fait un scandale quand vous avez découvert qu'Ellie était gay dans The Last of Us 2, alors que, spoiler, on l'apprend dans le DLC du 1. Donc me dites pas, fais le DLC. Oui, je sais, merci. Je l'ai déjà fait ce DLC. Mais je me rappelle plus en détail de comment elle s'est fait infecter. Le headshot. Le jeu, tu l'as fait, j'avais 8 ans. Bah voilà. Bon, ah voilà ben. Le Capitole. Ouais, on va devoir faire un... C'est pas un spoil, qu'elle soit gay, ça changera l'histoire, on s'en fout. C'est le centre-ville, ça? C'est pas du tout un spoil. C'est plus qu'un vaste terrain vague. Ok, alors, passons par là.
Par ici. C'est plus le côté, quand je disais comment elle a fait pour se faire infecter, c'est dans le sens où normalement dans la zone où ils sont et dans la zone où elle était, il n'est pas censé y avoir de zombies en fait. Justement, c'est pour ça que justement là il flippe de sortir parce qu'il sait que dehors il va y en avoir. Et comme elle arrête pas de dire « Oh mais je vois dehors, c'est incroyable !» Mais si tu veux, mon cerveau il a bugué en mode « Mais si tu t'es fait infecter, c'est que t'étais dehors ?» En fait non, je crois pas. Je sais plus comment exactement, où est-ce qu'elle est quand elle se fait infecter dans le DLC. Je sais plus. Plus le ça qui m'a... Non, il sort vendredi le jeu. Un supermarché. Ouais mais donc à l'intérieur, mais il y en avait à l'intérieur du coup alors qu'il n'est pas censé y en avoir. Je viens vraiment de ressortir par là où j'étais là. C'est pas du tout par là qu'il faut aller du coup. Attends. C'est totalement par là. Il s'est fait massacrer. Ouais. Le corps est encore chaud. C'est une mauvaise signe ? Ouais, très bien. Prenons pas ici. Ok, vas-y, on va avancer. Ouais, il était abandonné au centre commercial parce qu'il y a désinfecté. Ok. Très bien, allez, on va dire que c'est valide. Je passe par en haut, non? Ouais. Ok. Moi, ce que je veux, c'est surtout... Voilà. Là, on peut fouiller pas mal, là, ici. Pas mal de trucs. Ah voilà, donc il y en a. Mais là, ceci dit, là c'est normal, on est à l'extérieur. Il est où le claqueur? Ah, il était en bas en fait. Il était en bas. Ah, il était là. Vas-y. Pardon. J'allais vous dire non, les surins on les garde évidemment. Évidemment. Ah, les pilules. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Chuck, bon ça, voilà. J'en ai clairement pas assez pour l'instant. Attention à la tête. Yep. Oui, tout va bien. Tout va bien. Merci Carrie pour le sub gift, merci. Et t'as fait beaucoup de sub là, merci beaucoup. Ah. Hop là. Eh bon. À le faire. Attends, je veux juste vérifier ici. Y'a rien genre là? Ah si. Eh, par contre j'ai pas de quoi me heal là, t'es gentil mais... Faudrait que je trouve de quoi me heal, du coup ça m'a enlevé ma vie. Ah non, toujours pas. Toujours pas. Bien fouillé. Tiens, remets-toi sur pied. Ah. Mais c'est elle qui me les donne tous, c'est incroyable.
Elle me bute, elle me les donne tous. Ok. Ok, ok, ok. Vas-y, ouvre un peu. Ah ! Allez, vas-y. Ok. Il y a quoi de spécial dans cette pièce pour me la faire ouvrir au surin ? Il y a un truc. Ouais, ouais, ok. Elle valait le coup, cette pièce. Ok. Merci Antotini ! Merci pour les bits. Allez, foutons le camp d'ici. Je fouille un peu parce que là ça donne pas mal de choses. Non, là y'a rien. Là-haut, regarde. Bon, regarde s'il y a un moyen de passer. Vas-y. Elle va regarder, mais elle nous aide pas. Oh là, Ellie. Ok. Ellie qui vient de pop. Allez. Ikari qui lâche 10 subs! What? Merci beaucoup! Okay. C'est ton combienième sub là? Tu commences à en avoir offert beaucoup là? Donne-moi la main. Oh, des GG dans le chat! Allez. Ah ouais, oh! Okay. Incroyable, merci beaucoup! Oh oh! Ok. Rip, il s'est retourné. Terrible. Il s'est retourné. Je pensais qu'il allait. Ah, il me l'a juste filé en fait. Non, je pense pas que je marche trop vite, c'est juste qu'il s'est retourné dans son pattern. Ah, quoique. Ouais, peut-être. Je sais pas, pour moi, quand t'étais accroupi, genre t'étais silencieux. Bon, pas grave. On a gardé un surin comme ça. On le mettra à la prochaine. Pilulut. Genre, je suis plein. Ah oui, non, d'accord. Ok. C'est là pour descendre ? Pas du tout. Pas du tout là. Ici. Il y a quoi là-dedans? Merci Nanou! Merci beaucoup pour les bits! Non, regarde. Et voilà, mesdames. Ok. Allez. Ouais, les petits encas, c'est pour régénérer l'instant, c'est ça, c'est pour ça que je peux pas les prendre. On avance. Faut pas regarder en bas. T'es sérieuse ? Oh, tu fais bien pierre dans le 2, hein. Plateforme de 20 ans exposée dans le cavalier au bout. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ?
Allez, Ellie. Allez, monte. Ça va aller. Il faut qu'on traverse. Ouais, je sais pas si tu survis pas hier, Elsie, je pense. Tu fais gaffe, ça fait très peur, mais je pense que tu passes. Hein. Par étui. Ok. Ok. Mais là, il pourrait être griffé là, avec ses mains. C'est un claqueur à droite là ? Ouais. Je sais pas si ça va passer. Bon, la paix, c'est pas toi le problème. Oh, le camion Ben. Le retour. Ouais, bah c'est bon. Putain, c'est affreux la visée. Je sais pas si sur PC ce sera mieux, mais alors vraiment, avec le joystick, c'est une abomination. C'est une horreur. C'est une horreur. T'as pas bougé alors qu'il y avait le bruit. Bah ouais, je sais, t'es gentil, mais justement, je cherchais le temps que je tourne la caméra pour comprendre d'où venait le bruit, c'était trop tard. Hein. Je pouvais pas. Hein. Je sais bien, mais... C'est pas ça que je voulais faire. Je sais. Changer la sensi? Non. Oh, je peux la mettre au max. Vous êtes fous. Ce sera pire. Ça va le faire. Par là, ça va le faire. Ouais, mais la bouteille, je suis pas fan, ça va attirer l'autre. Ça va attirer l'autre en fait. Ouais, c'était lui là. Ok.
Ok, et il restera que le claqueur. Donc le claqueur, j'ai qu'à y aller doucement, même si je suis face à lui, lui foutre le surin normalement. Normalement. Merde. Merci Carrie encore une fois pour le sub, merci beaucoup. On gâche pas le surin. Bah, en vrai, cela étant. T'as peut-être raison. Je pense que t'as raison en vrai. Pas utile. Je vais pas gâcher le surin alors que je l'avais à ma portée easy. Ok. Ok, descendez. Ok, bon, alors fouillons un peu. Tirons-nous d'ici. Ok. Y'a rien là ici que je peux récup? À part des barres de fer, des machins. Rien à voir dans la salle là-bas. Non, y'a rien. Ah non. Bon, t'as des trucs comme ça, mais. Hop. Et sinon, non, y'avait rien. Si t'as du soin, mais. Bon alors, comment je sors de là? Par là-haut, là. Ok, ça passe normalement. Allez, alors dépêche-toi par contre. Ok, test, go. Ok, tiens bon. Ok, c'est good. Quel enfer ce building. Là. Mmh. Là ensuite, ouais. Ouais, je trouve pas chiant, mais cet endroit, non, non, mais c'est vrai que... J'ai hâte d'en sortir. On aura récupéré les armes. On pourrait peut-être souffler. Tu veux souffler un peu? Et toi, tu m'envoies toujours chier. J'attends de le voir pour le voir. Il y a une petite romance entre eux, non? Un peu. Je vais aller où là? Ah là. Tu crois? Non mais oui, mais je veux dire, c'est pas, moi je trouve que c'est pas si avant, tu vois, peut-être 2-3 sur, à part sur 2-3 phrases comme là, c'est pas si si perceptible que ça en vrai. En fait c'était pas là qu'il fallait aller. Pour moi ils sont juste super potes depuis longtemps. Je sais pas. Je suis pas sûr. Des sous-entendus parfois, ouais, c'est ça. Par ici. Ok.
train de là. C'est un vrai labyrinthe là. Yes, par ici. Par là. Merci Saylife pour le sub, merci beaucoup. 9e mois, merci à toi. Par où aller là? Ah. Par ici, tu les vois. C'est un quoi ça? C'est un claqueur? Ok Joël, passe devant. Je couvre nos arrières. Et quoi qu'il arrive, tu restes sur ses talons. D'accord. Ça marche.